Et c'est parti pour la suite de Jack Tron. Nous apprêtons à parler à Damus, le jeune petit Damus. C'est parti. Wesh, Damus, petit Damus, comment ça va, Damus? Protéger les gens jour et nuit, leur donner de l'espoir, c'est pas si facile. J'ai l'impression que la vie est belle ici. Toi aussi, tu dois faire ta vie, Jack. Je te conseille de prendre ton destin en main. Écoute, le sable n'a aucune forme tout seul, mais ajoute de l'eau et il devient malléable. La vie, c'est pareil, mais il faut trouver le bon élément. L'écho. Les grands esprits se rencontrent. Mes moines disent que la fin du monde est proche, mais je suis un bâton. Je crois que nous allons vivre longtemps après la fin de ce monde. Prépare-toi, tu vas bientôt devenir l'un de mes meilleurs guerriers et je vais vraiment avoir besoin de toi. Je ne veux pas te perdre, comme j'ai perdu mon fils. Vous aviez un fils ? Il y a longtemps, mais beaucoup de gens ont été sacrifiés dans cette guerre pour que d'autres puissent vivre. Enfin, n'en parlons plus. Nous avons de gros problèmes avec les maraudeurs en ce moment. Je veux que tu prennes un véhicule et que tu traques toutes leurs patrouilles. Fonce, et que cette guerre soit tienne. Oh, he's so cute. Il nous a vu comme son fils, il nous a parlé comme son fils. Son fils lui manque. Il nous a parlé comme un père. Vous avez vu, là, il a pas la même tête, hein. Là, il a une tête un peu fière, tu vois. Pas violeur en série. Voilà. C'est tellement beau, cet endroit. Ça, cet endroit, il a l'air vraiment bien se poser comme ça, dans l'eau. C'est propre, hein. T'as une vue sur le désert, sur ton monde. Waouh. Bon, du coup, on doit protéger Sparkus des maraudeurs. Maraudeur made. Youhou. Ouah, ouah. Ouah, ouah. Waouh, la journée que c'est joli. Yeah. Hey. C'est bon. Allez, protégeons ce monde des maraudeurs. Les maraudeurs, vous savez c'est qui? C'est les rageux là qui me suivent tout le temps dans les airs et qui essaient de me tuer H24. Du coup là on a le choix de véhicule. Non, je vais pas prendre ma voiture qui saute de base, je la prends tout le temps. Vous savez quoi? On va acheter le nouveau véhicule et on va le tester. En fait les véhicules achetés c'est ceux, regardez, je vous les montre. Il y a celui-là, qui a l'air beau. Il y a... Mais après, c'est pas que la moto qui veut tout dire. Hein. Celui-là. Alors, il y a le thermofouneur, le démon de la poussière et. Le tabageur du désert. Du coup, lequel qu'on peut acheter déjà? Et est-ce qu'on a assez d'argent? Oui, je suppose. Ça coûte 15. Ah merde, il y en a un qui coûte plus cher que l'autre. C'est le tabageur du désert. Ok, c'est qui le tabageur du désert? Monsieur, je coûte plus cher que les autres. Monsieur, je me sens au-dessus. Je passe sur la gauche. Démon de la puissance. Quoi, c'est lui le tapageur du désert? Mais c'est vrai que ce véhicule, il a l'air meilleur. Non, il a l'air grave rapide, ce véhicule. Non, je dirais c'est vraiment bon. Vas-y, on achète un des deux là-bas. Moi, personnellement, je suis plus pour celui-là. Il s'appelle le démon de la poussière. C'est parti. De toute façon, j'essaierai de les acheter tous. Tous les acheter. C'est parti pour le démon de la poussière. Let's go. Nouveau véhicule, un véhicule payé en plus. Oh, il a bien à conduire. Oh, il l'a soulevé. Il est puissant. Allez, on peut embarquer. Non, je vais le puissant. Ok, on va devoir protéger la porte des assaillants qui essaient de tout péter. Ah, ça roule bien en plus, ça roule vite aussi. Il tire comme la voiture qui se voit. Deux roues. Oh là là, mais quel beau véhicule. Même étant un guide du jeu, ce véhicule, je l'utilise quasiment jamais. Bah, c'est le moment. Même, je crois que je l'ai utilisé même qu'une fois quand j'étais petit. Non, une fois, c'est peut-être un peu abusé. 5 fois, grand max. Alors que j'ai joué beaucoup. Hein. Ah, par contre, il y a des kamikazes là. Oh, laissez la porte tranquille, il y a des kamikazes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la barbarie de ces gars. Ils sont prêts à s'enflammer leur véhicule avec eux dedans pour péter la porte. Regardez. Pouah. Et ça l'a mis, putain. Bon, d'accord, c'est vraiment des kamikazes, tout ça pour nous tuer. Voilà. Et du coup, c'est eux qu'on affronte dans l'arène. Mais oui. Et du coup, ma théorie, elle était vraie. Bah, pourquoi on affrontait Sid dans l'arène? C'est ça que je me demande aussi. Peut-être parce que si qu'il avait fait une bêtise ou peut-être pour le fun qu'il va, je sais pas. Qu'il se bat pour le fun parce qu'il aime bien affronter les maraudeurs. Il y a plein de théories à faire là-dessus. Ah, faut casser ça, surtout. C'est ça qui fait le plus de dégâts. Merde, il a lancé. Je suis mort, le truc il est lancé. Ouais, pff, ça a pété la porte, oh là là. Ah, dommage. Dommage, j'ai pas plus d'argent. Vous savez quoi, je vais me faire un peu de fric, c'est parti. On va se faire du cash. Eh, d'ailleurs, je vais me trouver de l'écho blanche, mais oui. Il y
Y'a de l'écho manche là-bas. Ah merde, on peut pas faire de mission secondaire. Ah ouais, tout est annulé là. Juste pour cette mission alors. Pff, non mais sérieux madame. Se mettre en plein chemin comme ça. Voilà, en plus des munitions tout. Improviser. Et là je me prends une balle à 4000 mètres, oh là là. Eh, elle était là aussi. Hop là. Allez, on y va. On reprend. Monsieur. Ce petit bijou. Et en plus, ils montent bien les murs. Ok, en plus, ils tirent vite. Attends. Ouais, ils tirent grave vite comparé à la voiture qui saute, je crois. Ils tirent beaucoup plus vite. C'est sa compétence. Ok, bam, bam. En tout cas, la distance, c'est peut-être mieux que quand ça tire loin. Paf, paf. Ah non, on démolit tout avec ça. Après, il y a des explosions dans notre gueule. Là, ça détruit bien. De fou. Hop, qu'est-ce qu'il passe? On dirait une superbe voie ici. Paf, paf. J'ose plus une arme, attention. Ouais, hey, putain, what the fuck. Non, mais je fais un ménage. Le véhicule, il est trop bien à conduire. Il dira bien sa mère. Oh là là. Paf, paf, oh là là, putain, tiens, il a lancé, Ah non, il était en train de monter sur un truc, en train de descendre son truc. Oh là là. Allez, crevez. Eh, hey, attends, regardez, regardez les vies du truc. Il s'est pas pris un seul truc depuis tout à l'heure. Non, pff, arrête de parler, juré, je vais fermer ma gueule, ça se trouve, je vais l'empêcher. Eh, hey, par contre, quand c'est eux qui tirent, ils font vraiment mal. Oh merde. Et me dire si je perds. Non, enfin, c'est pas drôle du tout. Paf, 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 on voit que là. En fait, je crois que ça sert à rien de se focus sur le gars. Faut juste se focus sur le gars qui, voilà, il est à gauche, là. Mais putain, il y a des carcasses partout, c'est un bordel. Voilà. Le générateur de rayon. Regardez la roue, papa, papa. Ici Sim, les maraudeurs ont attaqué un de nos sites archéologiques et volé un objet très précieux. Ils l'ont sûrement ramené à leur planque. Nous vous serions reconnaissants de localiser leur avant-poste et de récupérer l'objet. Nous vous récompenserons. Rassurez-vous. Ouais, le retour de la belle et magnifique désert... Enfin, nuit et désert sans brouillard, voilà. Ah. Quoi? Oh non, je peux plus rentrer, je suis con d'être sorti. C'est moi qui ai sorti, hein. Oh, Marie. Est-ce que le véhicule est invincible? Invincible? Putain, bah la vie! Non, il est pas invincible, il fume déjà. Ok. Ah, c'est beau comme ça. Incroyable. Mais du coup, je peux pas faire de mission, je peux même plus retourner ici? Si? Si, je peux l'utiliser. Ok, du coup, on va faire la mission de Kira, c'est parti. Non, cette cinématique, je la passe, c'est juste on va de ici à Bréville. Ouais, bon. On l'a déjà vu de l'autre sens, ça suffit. Yep. Ah, mais quoi, on est obligé? Mais pourquoi ils nous laissent la possibilité de revenir, de venir ici si on peut? Ouais, non, c'est pas cool, ça. On est obligé de faire cette mission. On est obligé de faire la mission du vilain moine. On s'est parti pour faire la mission du moine, hein. Let's go. Sim, ici, Sim. Moi, je vais faire la mission de Kira. J'aurais dû la faire bien mal, moi. Ok, c'est parti. Ah, mais attends, c'est où ça? Ah, mais c'est là où il y a les maraudeurs. C'est la... Attends, je crois que c'est la base des maraudeurs. Je sais plus. On va voir. Bon, regardez, ce véhicule, voilà. Ce véhicule-là, il met du temps à tirer. Alors que le petit véhicule, il tire grave vite. Hein. Enfin, c'est juste quelques secondes, mais quand même, ça change, croyez-moi. Wouhou! Boyon, boyon. Oh shit! Oulé, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je suis en train de s'embrasser en véhicule. Aouh! Au clair de la lune! Bam! Allez, où? Ils sont où les ennemis? Je vous attends. Ah, dommage, parce qu'en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était profiter de ce moment pour aller faire les missions secondaires après. Là, profiter le moment du beau désert, mais non, on peut pas. J'aurais dû profiter quand il y avait la Chine, enfin, le truc de la Chine, là. Voilà, mais bon, dommage. Parce qu'en fait, j'avais pas prévu de faire les missions secondaires pendant pendant l'XP. J'y réfléchis longuement et après, je me suis dit, ouais, ok.
Voyons. Regardez comment la voiture là, elle marche, on dirait elle a des jambes. Jambes avant. Eh, hey, d'ailleurs, ah si, on peut regarder à l'arrière. Ah non, que avec ce véhicule. Du coup, les gars, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, maintenant que vous allez faire connaissance de Jack le Boucher. Un vrai massacre. Ah, vous le connaissez pas, hein. Vous allez le connaître. Chaud. Oui. Eh, attendez, what the fuck, j'ai fait le tour pour rien. Mais genre avec le brouillard, c'est tellement moche, faut le dire. Yop là, pas besoin de faire le tour, c'est bon. On a une voiture qui saute, c'est pas pour rien. What? Putain, ma mère, elle pète un câble encore. Elle fait ça, ta ta ta. Oh putain, oh putain, oh putain. Doucement, doucement, tout doux. Bon, j'ai pas de boost, ça fait chier ça. Moi, les boosts, c'est la vie. Wow, shit. Bonjour, ouvrez-moi. Merci, ils sont gentils, hein. Faut pas croire. Ça ressemble à Gang Gang Shin. C'est ce que je disais. Oh. Oh. Tchou. Oh. C'est une embuscade. Regardez les maraudeurs, c'est exactement les mêmes ennemis que dans l'arène. C'est pour ça que je dis ça. Voilà, ça ressemble. Oui, différent. Oh putain, ouais, ils font pas mal du tout. Je suis tellement solide avec mon armure. Discothèque. Hey. Oh wesh, il y a du feu. Bah ouais, le feu ça fait mal. Paf. Ils meurent tous. Wesh, pourquoi c'est rouge comme ça? Ouh, ça, c'est ciblé. Hey, vous. Oh, tellement puissant. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Aïe, 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 aïe. Voilà. Allez, venez, vous ne pouvez rien face à cette arme. Trop cheaté. En totale zénitude. Regardez, Daxter se cache la tête parce que... Pouah. Et allez, il essaie de faire quoi lui, sale fou. Hein. Voilà. Bien élastique, ils étaient tout ça. Eh, d'ailleurs, vous souvenez le truc que je vous ai montré avec ça? Je vais faire pareil avec ça. Voilà, regardez cette cuisse. 2, 3, 4, 5. Regardez comment c'est brillant. 6. J'ai je sais pas combien de balles là. Attention, ça va tous les jeter. Oh, oh, ça lag un peu, c'est normal. J'ai utilisé 5 trucs. En gros, j'ai tiré 5 fois ça. Je sais pas si vous rendez compte du truc. Déjà, une fois, ça donne 100. Alors là, 6 fois 5, c'est puissant. C'est déjà fini. Oh. Dommage. Wesh, il se ramasse MDR. Le gars, il se ramasse hors cinématique, c'est le gars. C'est vraiment je vois ça. Ah, j'ai des boosts. Allez, on y va. Vous les rattrapez. Vous les rattrapez, Jack. Vous voulez dire ça? Yep. Ou il l'a déjà dit, peut-être. Oh, regardez comment ça brille. C'est bien ça. On y va. Wouhou. Oh, je vole. Bam, bam. Jack le Boucher, un vrai massacre. Un vrai massacre. Vous avez le truc du Jack le Boucher. C'est le seul, l'unique Jack le Boucher, un vrai massacre. Je suis un boucher, les gars. Je suis une marine. Ah, je n'en fais qu'un morceau de mes ennemis. Excusez-moi, vous allez à l'avant. Ouais 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 ouais. Vite là par contre. Très vite. Très très vite. J'ai pas de bouche pour rien faire. Je tente. Évasion des maraudeurs. Perdu. Tu dois les attraper, Jack. Faut les rattraper, Jack. On est d'accord, il dit ça. C'était pas dans ma tête. Allez.
Ça va plus vite que ça, mais non. Allez, non, j'allais prendre un raccourci, mais suicidaire, mais on s'en fout. Il m'a frappé, Jack! Oui! Oh, j'allais l'avoir. Jack le boucher, oh, la sac! Allez! Bah, cette fois-ci, on joue sérieux. Pas de soucis pour écouter ça. Même si j'ai un peu fait exprès, mais pas trop non plus. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi quand je parle de jouer sérieux. Bon, mais je vais essayer de l'avoir d'ici. Regarde les techniques. J'ai peut-être un peu rêvé. Ah, les ennemis, je vous attendais. Oh. Vous savez quoi? Je go suicide. Hein. Non, là, j'ai merdé, je l'avoue. Putain! Ah, ça fait plaisir. C'est bien fait. Allez, on essaye. Faut les attraper, Jack! Oui! Ah, imaginez ça là d'ici. Bon, attends, ça allait presque être le cas. Oh, je l'ai démonté. Coucou. Oh, un massacre! C'est bon, là, on a parfait. Allez, go, on y va cette fois-ci. J'ai assez entendu. Cette fois-ci, pour de vrai, je suis sérieux. Voilà, si je fais une top comme ça coupe ma manette qui tourne tout le temps à droite. Ou des fois, genre quand je suis à l'arrière, ça s'arrête pas sur le truc. Allez, go! Chia! Peut-être? J'avais. C'est bon, je l'ai. Ouais, je suis pas dans les explosions. Ah, il fume, ça va toucher un peu. Tu as dégommé en beauté! J'adore trop ce qu'il dit dans cette mission. Quand tu tues les ennemis. Je vais intercepter. Regardez juste là. Interception du suspect. C'est bon, je l'ai. Oh. Et plus que le dernier. Oh la bite! Oh la gigabite! Ça c'est la mienne. Mais what the fuck! Vite, 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 vite. Il s'éloigne trop, c'est l'échec de la mission. Ah, la vie. Ouais, wesh, ma voix là, si tu es dans la vraie vie, je vous jure, c'est vrai. Je fais un bruit tellement grave chelou. Ok. Oh, par-dessus, parfait. Ok, j'arrive, je rattrape là. Oh, c'est magnifique ça. Putain, il a fait un tour complet. Il essaie de rentrer à la base, mais. J'ai un visu. Ah, il change de trajectoire, ah ouais, complètement. J'arrive. I see you, bitches, I see you. J'ai un visuel. Je le raterai pas. Donc là, je l'ai laissé bien marcher. Oh putain. Putain, j'ai espéré ralentir le mode épique pendant le montage, mais pas du tout. Voilà. Voilà. Elle est où? Mais ah, vous savez, ça prend pas que je sais même pas jusqu'où il va au final. Parce que je me demande. Allez, salut. Je sais pas si on y va. Nouvel objet. Félicitations, Méon. Enfin, Jack. À toi aussi, l'éclair orange. Nous vous sommes très reconnaissants. Finalement, je crois que je vous avais mal jugé. Cet objet s'appelle le prisme des précurseurs. Il vous sera très utile. S'il vous plaît, gardez-le en signe de notre gratitude. Okidoki. Je suis content que ça t'ait plu, Psy. Ah! Mais en fait, le brouillard, c'est pas à cause de la mission de Psy, mais c'est à cause de la mission de l'autre. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Hop. Ah non, mais je crois pas que je peux aussi... Attendez, on va se préparer pour la prochaine mission, mais on s'arrêtera ici, je pense. Donc, ouais. On va aller voir Kira. Il n'y a pas de maraudeur. Ah oui, bah ils ont pris le seum depuis. Ou bien je les ai tous anéantis. Non, c'est tranquille ces aides. Ah, ça roule, hein. Ça roule. Ah, il y a des missions secondaires, bon. Ou c'est juste là-dedans. Oh putain, vite avant que la mec coule. C'est bon, allez, on rentre à Abril, c'est parti. Merde, je suis reparti. Une fois, j'ai perdu ma sauvegarde à cause de ça. Parce que à chaque fois que tu fais ça, ça sauvegarde, et nous. Salut, mec. C'est beau aujourd'hui, hein. Ah, mais attendez, il n'y a pas la mission de Kirk. Ça va, mec?
Arrêtez, non, arrêtez de vous violemment. Pourquoi il n'y a pas la mission de Kira? J'espère qu'elle rappellera. Alors c'est parti, on va découvrir un nouvel endroit de la ville. Non, je pense qu'on va s'arrêter ici, mais dignement. Regardez ce qu'on va faire. On va faire ça, et on va sortir de la map. Et on va faire ça, et aussi ça. Non, regardez ce qu'on va faire. Hop. Ça. On va rentrer dans le mur, on va sortir de la map. On va se déterkaglitchurétiser. Et on va pas du tout glitcher. Voilà, on est là. Ah, voilà, hey, toi, je t'avais vu. Mais je t'avais pas pris ici, non? Ah, si, je l'avais pris. Bon, je pense qu'on va faire une mission secondaire, on va s'arrêter là, je pense, c'est mieux. Non, elle est de l'autre côté, fait chier. Parce que, j'ai pas envie de vous faire des voix tout de suite, parce que... Ouais, non, vas-y, on y va. Ouais, je dis de la merde, vas-y. Ferme ta gueule et on y va. On va au moins jusqu'à la moitié. Vas-y, j'en ai marre de ça, fuck les véhicules de merde. Ah, moi, j'y vais en jetboard, c'est mieux. C'est de la marque. C'est Kira qui l'a fait. C'est ma go, c'est ma meuf, c'est mieux. Chop. Voilà. Voilà mon gars, ça qu'on veut. Oui. Oh putain, j'ai attrissé là, un connard avec. Le gars, c'est lui, mon truc. Trop de kamikaze dans le jeu. Attends, le kamikaze, même Erod, comment il est mort à votre avis, Erod? Lance kamikaze, hein. Ouais, mais wow, ménage. Voilà. On a beaucoup là. Si vous êtes de cet endroit, oh putain. Je sais où on va s'arrêter. Putain. Ah, il y a les trucs du désert ici. C'est vrai que ça devient un désert. S'arrêter là-dedans, regardez. Souvenez-vous de ce truc là, cette petite tente là. C'est la tente de Onin. Hop là. Coucou. Il y a personne, c'est normal. Avec plein de petites araignées. Et des insectes partout par ici, par là. Et le truc vaudou. Ouga ouga. Bon, du coup, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On se retrouve sur le prochain. Et on fera la mission du QG, le truc là-bas, et le truc de Kira. On se retrouve sur le prochain épisode. Au revoir, bye tout le monde. Au revoir, bye. La vie est belle ici. J'ai perdu la vie. J'ai perdu.